Camilleris, la ficelle qui part dans la profondeur, on ne va pas jouer avec lui je pense. Aguemont, bon centre, intendu vers Aulouad et bonne intervention de Bertrams. Aulouad en bonne position pour récupérer ce centre pour le moins précis d'Aguemont. Second poteau, c'est Martens qui va retoucher et remettre vers Fixel. Le ballon traîne dans la défense. Da Silva, ce ballon a été dégagé, touché de la main. C'est à bout portant. On réclame une faute de main, c'est limite. Très sympathie. Sympathie avec son coéquipier Aulouad. Et derrière Fixel, et le but. 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Fixel, Mathias Fixel qui voilà, demande de ne pas trop s'emballer, mais 0-1 dans un moment où on ne s'y attendait pas. C'est vraiment la première occasion nette pour l'Union Saint-Gilloise dans cette rencontre. Le troisième but pour Fixel cette saison. La récupération, oh, ça va arriver dans les pieds de Da Silva face à Bertrams qui place. 0-2 pour l'Union Saint-Gilloise. Perte de balle à nouveau coupable dans le milieu de terrain du côté de Lommel. Encore une fois de la nonchalance de la part d'un joueur de Lommel. Ici en l'occurrence, c'était Christophe Bertiens. Coup franc pour Lommel, Aden Sarnia de la tête, deuxième poteau, Skelen sur la transversale, deuxième tête ensuite, le ballon à côté. C'est Guéroui qui a repris le ballon. Et c'est vrai que l'Union était donc réduite à 10 sur cette phase. Grégoire Nils remonte à présent sur le terrain. Kielen. Bien donné au deuxième poteau. Saucé un peu court lorsqu'il met le point. Tête de Lennartz. Le ballon traîne dans la défense. La reprise derrière. La réduction du score dans cette partie. Un ballon bondissant qui traîne dans la défense de l'Union Saint-Gilloise.